Le jardin d'acclimatation où des pianos sont envahis les allées depuis quelques jours. Ils seront ensuite dispersés dans les rues de Paris et mis à disposition du public. C'est la 6e édition pour cet événement qui a conquis le cœur des Parisiens. Simon Azéli avec Sega Canouté. Quelques notes de piano en plein air. Pour Nicolas, professeur de musique dans un collège de Pantin, c'est l'occasion de travailler sa passion. C'est le plaisir de jouer en plein air et en public. C'est une énergie particulière. Les gens passent, ils s'arrêtent s'ils veulent, ils continuent leur chemin si ça leur chante. Mais on est dans une énergie musicale qui a besoin d'espace. Les pianos disposés un peu partout dans le jardin d'acclimatation sont à disposition des visiteurs, pour les plus grands comme pour les plus petits. Plémia Murs, jouez avec moi, je suis à vous en français, arrive à Paris pour la 6e année consécutive. Dans quelques jours, les pianos vont être disséminés dans la capitale, puis cédés, mais pas à n'importe qui. Et bien à l'issue de cette manifestation, donc à partir du 11 juillet cette année, les pianos, comme tous les ans, vont être donnés à des organismes d'intérêt général. Des associations, des hôpitaux, des prisons, des centres d'urgence, pour lesquels le piano est important. De l'art plastique, de la musique et de la solidarité, Plémia Murs, c'est du 22 juin au 11 juillet dans les rues de Paris.